J'ai peur parce qu'un coq c'est grand, tu vois, c'est massif un peu. Et moi j'étais petit, du coup, à travers un grillage, tu vois, j'étais assez grand pour voir un peu au-dessus, tu vois, enfin en montant sur un truc. Je prenais des cailloux et je lui jetais dessus, mais il esquivait à chaque fois, il est trop rapide ce bâtard. Et un jour, vraiment, j'ai pris ça comme une provocation, il est arrivé devant moi. Et il a levé ses plumeaux de son croupion et il a lâché une grosse merde devant moi. Oh là là, j'ai pris le seum, je lui ai jeté un caillou, j'ai réussi à le toucher, il a fait. Genre, il s'embrouille avec un coq, tu sais, genre avec un animal, tu sais. Quoi, toi tu gères, tu fous le fou là. Et j'avais peur que. Eh, vous trouvez fou, il a fait caca devant moi là. J'avais peur que ma tante me voit en train de martyriser. Lance. Eh, vas-y, c'est bon là. Ouais, voilà, frère, tu me connais pas moi. Ah, on va faire extraction seul. Extracter quoi? On va extracter les gens. Oh, wow, je suis un assassin. Je suis la cible. Avant que ça parte en couille, explique-moi, Blackbeard. C'est ce qu'il faut faire, je crois que c'est écrit en haut. Le jet d'un garde supérieur s'est écrasé en zone à risque en ville. Nous, moi et Gambino, on est des gardes du corps. Et Coco et Wassim, c'est des. Je suis un garde du corps. Ils vont essayer de me tuer, Coco et Wassim, en fait, ça le truc. Wow. J'ai un jet écrasé à côté de moi carrément. Venez me chercher. Frère. On a sorti l'artillerie lourde. Ils ont un insurgent, venez me chercher s'il vous plaît les gars. Ok, t'inquiète pas, on arrive Blackbeard, je répète. Blackbeard, on arrive, t'en fais pas. Regardez le ciel rose. Genre l'assassin pété, l'assassin. Ok, à toutes les unités, ici, équipe d'extraction, je répète, on arrive dans la zone d'ici 15-20 minutes. On va juste chercher un petit café avant. Vous en voulez un, monsieur le président? Prends-moi un cappuccino. D'accord, bien serré, ça roule, terminé. Par contre, ils arrivent. Oh, on arrive. Sa mère, le cappuccino. Monsieur le président, est-ce que vous avez une arme pour vous défendre le temps que nous arrivons? J'ai un pistolet de détresse, si ça fait l'affaire, peut-être. On rentre dans la zone. Booster et Ganguinou, je vous signale ma position. Venez vite. Là, Booster, il est là, tu l'as joué. Go. Ouais, on va éviter. Ah, je les vois, ils arrivent. À l'aide. T'es où? Là, bas. Montez, monsieur le président, montez. C'est bon, vite, je leur tire dessus. Je vais te dire. Booster, je peux leur tirer dessus. Non, merde, monsieur le président. Oh, je suis président. Je suis président Booster. Ah, je suis assassin. Allez, Blackbeard, come on, let's go. Let's go. Zarma, président de l'Algérie, Zarma. Oh, tu fais quoi, c'est l'autre côté, putain, tu fais quoi là? Il y a le jet là, il est autour. Monsieur le président, on arrive, on va vous protéger. On arrive dans la zone, Venez, je suis là, j'ai tiré des balles. Il est là-bas. Vite, voici mes compos, venez ici. Il est là. Je saute, je vais tuer Booster. Vite, j'arrive, je suis là. Bon, allez, président, putain. Putain, mais il arrive dans mon dos. On décolle dans 3 secondes, président. Dépêchez-vous, les gars. 3. Merci. Décollage. Y'a Ganguinou, il s'est écrasé, ça a explosé en même moment. Putain, c'est hyper comment il s'est écrasé contre le président. C'est grave. Je suis le président. Oh, frère, je vais te sauver. On est l'assassin. Il est rebelle assassin, wesh. Monsieur le président, on arrive. Il n'y a pas de soucis, je vous attends. Très bien. Donnez-vous vos coordonnées, où êtes-vous? Alors je suis à l'ouest 2.0, 496-28-9, Caris 93. Caris 93. On vous a repéré, on arrive. On se dépêche, on sim. C'est Barack Obama, Fred. Ok. Je les vois arriver, les gars, s'il vous plaît, je vois leur voiture, carrément, ça me fait peur. On arrive, monsieur Fred, on arrive. Ok, on arrive, monsieur le président, on arrive. Votre position, tirez au fusil de détresse, tirez la fusée. Je suis au haut d'un bâtiment, je peux pas en dire plus. Je l'ai vu, Wassim. Je me casse. Je te vois couvert, monsieur. À gauche, rentre dedans là. Je me mets à couvert. Monsieur Fred, lancez la fusée vite. 3, 2, 1, je lance la fusée. Voilà, on a rien vu. Tirez, on a rien vu, monsieur Fred. Ah, j'ai vu, elle est là-bas. Gauche. Oh, il est là-bas. Vite, allez, s'il vous plaît. Ils arrivent, s'il vous plaît. Restez à couvert, monsieur Ganguinou. On doit t'escorter, ils ont respawn. Remontez. Suis le président. Il y a Booster derrière. Faut pas qu'il tue, Fred. Sors, Coco m'a tué. Remonte vite. Non. Je l'ai buté. Putain, j'ai pas envie. Ganguinou, tu fais quoi? Fred, faut que tu sors, sors vite. Mais vite, ils arrivent, vite. Bon, allez, vas-y. Let's go, non. Je suis Coco, vite. Il a survécu. Il est pas. Il a survécu.
Possible d'acheter un. Il a survécu à une explosion. Il a vogé en l'air. Et là, je répète, extraction de la cible. Je répète, extraction de la cible. Ok, cible extraite d'ici quelques kilomètres. J'assure la sécurité du président, monsieur, vous inquiétez pas. Ça le suceur, des Américains, va. Va très. Je suis bien payé à la Maison Blanche, j'ai un excellent. Vive la Russie, vive Poutine. Va très de merde. J'encule Poutine, chut, vive Obama, merci. J'URSS, vive. Les deux gardes du corps, si vous me ramenez sain et sauf à la maison, je vous offre une tournée de beignets. Vive l'Allemagne de l'Est. Quoi? Vive. La guerre froide. Il est propagande de Narvalo là. Tu m'arrêtes. Genre... Yassine, vous comprenez plus qu'il nous est sorti un bruit de fond genre vive l'Allemagne de l'Est, vive la guerre froide. Stunt. Wow. Qu'est-ce que tu fais, c'est de la merde, va, mais. J'encule tous les écureuils du coin. Oh. Hey les copains, salut. Ouais. Je suis rentré sain et sauf.